un nouveau bonus défensif et pourtant vous auriez même mérité mieux. Oui, peut-être. Après, c'était un match où les équipes sont rendues coup pour coup. Avec un peu plus de réussite, peut-être qu'on remporte ce match-là, c'est sûr, mais on est tombé sur une belle équipe de Béziers. En tout cas, l'important pour nous, c'était deux choses. On est tombé le week-end dernier à la maison, mais on voulait montrer qu'on n'était pas mort encore et qu'on allait faire aller partout comme on s'est promis. Et puis, on avait six espoirs avec nous et les grands, les pros avaient dit qu'ils seraient prêts à montrer la voie, à s'approcher pour faire un bon match et puis laisser un bon souvenir pour les garçons pour qui c'était une première aujourd'hui. Vous faites une entame magnifique avec cet essai. Oui, magnifique d'ailleurs. Oui, on marque très rapidement, ça donne le temps de la rencontre. Je dirais que ça a réveillé les Biterrois, mais on était prêts à ça aussi. On va bien récupérer parce qu'on en a vraiment besoin, on perd deux joueurs encore ce soir. Hein. Donc on a besoin de récupérer et puis on a un gros rendez-vous contre Mont-de-Marsan. On était partis frustrés de Boniface et on a vraiment envie de donner une victoire aux supporters de TPR.